Bonjour. La Fondation 30 millions d'amis dénonce la condamnation symbolique d'un homme qui a maltraité plus de 80 chats. En effet, ce dernier a seulement écopé d'une amende par le tribunal de grande instance de Bobigny dans le 93. Ce sans-abri avait déjà été condamné pour des faits similaires en 2010, avec interdiction définitive de détenir des animaux. Alors, comment 6 ans après peut-on retrouver dans la station essence désaffectée dans laquelle il vivait 57 chats en grande détresse et 22 cadavres ? Les défenseurs des animaux sont choqués et déplorent le manque de sévérité sur cette affaire. Vous connaissez le site Vente Privée ? Eh bien, sur le même modèle, voici le site Mon Animal Privé. Après une inscription très rapide, vous avez accès à toutes les ventes privées spéciales pour les chiens et les chats. Vous retrouverez toutes les marques les plus tendances avec des produits tout aussi innovants. N'attendez plus pour vous inscrire. Le saviez-vous ? Le cardinal Richelieu possédait 14 chats avec lesquels il jouait tous les matins. Tout de suite, le Zapping Buzz du jour, 5 secondes pour vous faire sourire. Partagez la Minute Chat sur vos réseaux sociaux et surtout abonnez-vous gratuitement à Wamis.tv pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt !